Quand on appelle la gloire de Dieu, on appelle une dimension de sa présence qui nous permet de rester connectés à la bénédiction. Il y a la dimension de la bénédiction. Mais de la même manière que la manne, il fallait aller la chercher tous les jours. Il y a une dimension de la gloire qui nous permet de conserver la manne. Église, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le moyen par lequel Dieu a décidé de se révéler sur la terre. Reste concentré. Depuis le début de cette journée, il est question de pouvoir s'exposer à la présence de Dieu. Et vous savez, avant qu'on arrive ici, parce que Dieu est Dieu, sa présence était déjà là. Et même quand tu partiras d'ici, sa présence sera toujours là. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. La Bible dit que si je monte au ciel, il y est. Si je descends même dans le séjour des morts, il est présent aussi. Mais il y a une atmosphère, une attitude que nous voulons développer pour pouvoir permettre, écoutez bien, de faire apparaître celui qui est déjà présent. Vous savez, quand Moïse voit quelque chose qui est assez particulier, il voit quelque chose qu'il ne comprend pas, quelque chose qui ne s'explique pas. C'est ce qu'on appelle la curiosité qui est provoquée à cause de la gloire de Dieu. Ce buisson qui est en feu aurait dû se consumer, mais il ne se consume pas. Et quand on vient dans des moments comme ça, il faut dire la vérité, il y a une forme de curiosité que Dieu veut éveiller en nous. Mais ce n'est pas juste pour expliquer qu'il y a un feu, qu'il y a des choses spéciales qui se passent. Non, Dieu veut nous faire vivre quelque chose. Et le désir dans mon cœur dans cette journée, ce n'est pas de t'apprendre simplement certaines choses ou te donner un petit peu de poisson pour que tu puisses te nourrir. Mais le désir de mon cœur, c'est de t'apprendre à pêcher. C'est tellement beau quand on capte le message. Christ en nous, l'espérance d'une gloire future qui est liée à l'éternité. Mais nous avons, Église, comme mandat de pouvoir attirer le ciel sur la terre. Et c'est ce qui fera la différence. Quand je serai élevé de la terre, la Bible dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Il y a les dimensions de Dieu où on va pouvoir justement exprimer ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais il y a une autre dimension où Dieu parle et dit, va voir mon serviteur. Viens et vois. Viens et vois. Et c'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre dans cette journée. Dieu ne nous appelle pas à demeurer des orphelins, mais au contraire, à nous faire comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous avons un défi à relever. Et non seulement quand le défi est relevé, que nous sommes en capacité d'accomplir justement notre vie sur la terre, nous devenons une source d'instruction et une source de bénédiction et une source d'influence pour les gens qui nous regardent. Le but, ce n'est pas de nous révéler pour nous révéler. Le but, c'est de nous révéler pour révéler Christ en nous. N'oublions pas une chose, c'est que les temps sont courts. T'as pas regardé en arrière, tu te remets comme ça là, puis ça y est, t'as la barbe, elle est blanche. Ça passe tellement vite. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées grâce à vous. Il y a des personnes qui doivent être libres grâce à vous. Mais le désir de mon cœur, c'est que vous soyez une vitrine, la vitrine du ciel. Celle que quand on regarde là-bas, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Dieu éveille ma curiosité pour que justement tu sois comblé. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, voilà ce que Dieu nous dit. Ôte les chaussures, ôte les sandales. Il est en train de te dire ma présence est en mesure de pouvoir te faire décrocher de tout ce qui veut te tenir. Il y a une dimension dans la Bible, une dimension dans la présence de Dieu où, je te le dis, tu deviens incomestible pour l'œuvre des ténèbres. Jonas, avalé par son problème, par sa désobéissance, il a tellement capté qui est Dieu et la manière dont fonctionnent les mécanismes
qu'il est devenu incomestible pour le problème et le problème l'a rejeté sur le bord du rivage. Je le dis, il y a une dimension où ce n'est plus toi qui chasses le diable, mais c'est le diable qui te chasse. Merci pour les acclamations, mais je voudrais tellement que tu rentres justement dans cette compréhension. Lève tes mains vers le ciel. On va prier ensemble. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit voudrait te faire vivre, plus qu'une expérience. Mais il voudrait venir mettre sa marque. La Bible dit que Dieu a déposé en nous son esprit et que son esprit nous rendra capables d'entendre ce qu'il nous a à nous dire, mais aussi d'obéir à ce qu'il a à nous dire. Père, nous sommes devant toi et c'est l'instruction que tu nous donnes encore aujourd'hui. Celle de pouvoir te rechercher, celle de pouvoir être en communion vivante avec toi. Ne permets pas que je vive une autre vie que celle que tu as prévue pour moi, Seigneur. Que ta gloire se manifeste, que ta présence soit là, que les maladies quittent dans le nom de Jésus, que tout ce qui veut te tenir lié, écoute bien, soit dévoilé. Il ne suffit pas de les faire partir, mais qu'ils soient dévoilés. Comme ça, tu vas les repérer quand ils voudront revenir. Au nom de Jésus, Seigneur, tu viens nous éclairer encore dans cette journée. Que le feu de ta présence, que la paix de ta présence, que la joie de ta présence soient parmi nous encore dans cette journée. Merci pour ce que tu es en train de faire monter. Fais monter en nous cette révolte. Non, je ne suis pas né pour subir. Je ne suis pas né de nouveau pour subir de nouveau. Mais il y a un gouvernement, il y a quelque chose que tu nous as donné, une délégation d'autorité. Et tu dis dans ta parole que celui qui se soumet à toi aura la capacité de résister devant le diable. Et que le diable fuira loin de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de manifester, pour la compréhension que tu es en train d'ouvrir, pour l'intelligence et la sagesse, alléluia, que tu veux faire manifester parmi nous, Père. C'est ton feu que nous réclamons au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu libères. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Alléluia, dans le nom de Jésus. On acclame le Seigneur. On peut prendre place ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je suis là depuis ce matin et puis on n'avait pas commencé la réunion, qu'on avait déjà commencé à prier pour des personnes en bas qui commençaient à recevoir leur bénédiction. Et moi, dans mon cœur, j'ai vraiment reçu ça pour vous. Il y a tellement de bénédictions qu'on n'arrive pas à conserver. Vous savez pour quelle raison ? C'est à cause d'une théologie mal comprise, des versets de la Bible mal orientés. Quand parfois, parce que nous sommes limités, les choses qu'on aurait dû vivre ne sont pas encore venues et on se trouve ce qu'on appelle des cachettes évangéliques pour ne pas vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. Et on va appeler ça la sagesse. On va appeler ça le temps de Dieu. Alors que j'ai bien compris dans ma vie que le temps de Dieu, c'est le temps que je décide bien souvent. Dieu a fait de nous des personnes qui sont libres de décision, libre dans nos choix. Et ce n'est pas parce qu'il y a des choses que je ne vois pas arriver dans ma vie qu'elles ne sont pas déjà accomplies dans les lieux célestes. Vous savez, Jésus n'était pas mort, n'était pas ressuscité, alors que la Bible dit qu'avant la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé. Vous êtes la lumière du monde. Et la Bible dit que la lumière est allumée au sein des ténèbres. Ça veut dire que le jour où je suis né de nouveau, le jour où, Église, tu es né de nouveau, dans le monde spirituel, s'est allumée une lumière. Et le défi, à travers notre foi, nos croyances, notre obéissance, notre implication dans l'œuvre du Seigneur, c'est de prendre cette lumière qui est allumée dans le monde invisible et de pouvoir l'amener à s'allumer dans le monde physique. Et c'est ce que nous voulons faire dans cette journée.
activer des choses en vous afin que la lumière qui doit être révélée soit enfin, enfin, enfin révélée. De devenir des personnes qui sont des sujets de réjouissance pour le ciel. Il y a plus de joie, beaucoup de joie dans le ciel. Même les anges se réjouissent pour une âme qui se donne à Dieu ou qui revient dans son bon sens. Et de quelle manière les âmes vont revenir dans le bon sens quand ils vont être connectés à la vérité. Et la vérité, Dieu a choisi qu'elle soit diffusée par le moyen, amen, de son Église. Vous êtes le moyen que Dieu a choisi pour se révéler au monde, pour se révéler aux nations. Souvent, ça a été mon cas, je suis qu'un petit chrétien, je ne vais pas y arriver. J'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de difficultés, je ne suis pas encore assez âgé, je suis peut-être trop âgé. Et on se trouve tellement de bonnes raisons de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Adam n'avait que quelques heures. Il n'avait aucune heure de formation encore. Et Dieu l'avait déjà fait de lui un dominant sur toute la surface de la planète. Tu vas dominer, tu vas assujettir, tu vas nommer. J'ai mis des capacités en toi. Et l'expérience, que ce soit de bonnes ou de mauvaises expériences, vont nous amener justement, justement, si on reste connecté à la source, à prendre des leçons. Mes échecs aujourd'hui, je ne les considère plus comme un échec. Je les considère comme une école. Et si tu sais justement réagir aux mauvaises expériences, la mauvaise expérience, elle devient un tremplin. Tu sais pourquoi ? Parce que tu sais qu'est-ce qu'il ne faut plus faire. Parce que toi, tu l'as fait. Et de manière systématique, tu sais, ça te conduit à quoi ? À regarder à nouveau à ce feu qui est en train d'être allumé sur la montagne et où tu ne comprends pas. Parce que bien souvent, on essaye d'amener des thématiques, des logiques, des choses qui vont nous dire voilà comment fonctionnent les choses de Dieu. Mais retenez une chose, la chair, nos pensées, nos voix ont de manière systématique des pensées différentes à celles de l'esprit. C'est pour ça que bien souvent, si on veut réfléchir, ben, par exemple, 5 plus 2, ça fait combien ? Ça fait 7. Pour Jésus, ça fait 5000. Sans compter les femmes et les enfants. On ne choisit pas comment les choses fonctionnent, mais on reste connecté à la source. On se laisse imprégner par sa présence et on se laisse justement influencer et gagner par les Écritures. Et trop de textes mal compris, trop de choses mal vécues ont fait que justement tes limites, écoute bien, sont devenues ta doctrine ou ta théologie. Et quelque part, tu te paralyses toi-même, c'est ce qu'on appelle l'esprit de religiosité. L'esprit d'antichrist, appelle-le comme tu veux. Mais c'est ce que Satan vient faire pour attaquer Jésus. Il n'est pas venu avec un sachet de cocaïne, avec une bouteille de Jack Daniels. Il est venu avec des versets de la Bible, mal orientés, à un moment précis, justement pour le faire dévier du plan. Et il veut le faire douter d'une chose, si tu es fils, si tu es véritablement fils, si tu es véritablement fils. Et il y a tellement de choses dans nos vies qui, oui, peut-être que je suis pas né de nouveau, peut-être que j'ai encore ça, peut-être que j'ai encore ça. Rappelle-toi une chose, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. La seule chose que Dieu te demande, il dit crois et tu verras la gloire de Dieu. Et quand la gloire de Dieu, alléluia, elle apparaît sur la vie de quelqu'un, c'est là que les raisonnements, ils tombent, que les hauteurs n'ont plus de force, que les forteresses sont renversées. Je vous donne un scoop. Dieu veut sauver tous les hommes, vous êtes d'accord avec ça ? Eh bien, il y aura des gens qui iront en enfer. Il y a des choses, ce n'est pas parce que ça ne se passe pas comme on voudrait, que ça ne peut pas se passer. Et bien souvent, parce que ça ne se passe pas comme on voudrait, c'est là qu'on arrive théologiquement à essayer de prouver que ce qu'on ne vit pas, c'est justement normal. Vous savez, quand on parle de l'écharde dans la Bible, une écharde qui aurait été mise dans le corps de Paul pour le paralyser à cause de l'excellence de ses révélations, parce que s'il n'a pas l'écharde, il va devenir un orgueilleux.
Alors Dieu permet à Satan d'envoyer un ange du diable pour le paralyser dans sa foi. Et quelque part, parce qu'on ne vit pas ce qu'on ne devrait vivre, on... Écoutez bien, ce sont plus la révélation qui nous inspire, mais ce sont nos expériences du visible qui nous inspirent. Et ça devient une difficulté dans notre vie. Et la Bible dit, écoutez bien, que l'Antichrist veut venir s'asseoir dans le temple de Dieu. Paul a la révélation, il dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Faisons attention de ne pas se laisser infiltrer par des fausses croyances qui vont venir s'infiltrer dans le cœur de l'Église. Parce que Satan a compris une chose, s'il paralyse justement l'Église avec des fausses croyances, il paralyse la diffusion de l'Évangile. Je me suis trop laissé tromper et je ne me laisserai plus tromper. Et l'apôtre Paul, dans son parcours, il explique, il est en prière et il reçoit ce qu'on appelle des révélations ineffables, mais qui, à mon sens, ne sont pas appelées à rester ineffables. Parce qu'il n'y a aucune logique que Dieu te donne des révélations pour que tu ne les comprennes pas. Que Dieu te donne des révélations pour que tu ne puisses pas les diffuser. Alors qu'il dit qu'il y a plus de joie à donner, il reçoit ça. Et bien souvent, on a reçu des visions pour notre vie, des destinées, les choses, elles sont claires. Et puis d'un seul coup, eh bien, il y a comme une paralysie, comme un doute qui vient s'installer. Et c'est ce que Paul a vécu. Il dit, Seigneur, enlève-moi ça. Seigneur, enlève-moi ça. Et vous savez, moi, j'ai été élevé dans un contexte où on m'expliquait ce texte de la manière suivante. Dieu a envoyé une maladie à Paul parce qu'il savait qu'il allait devenir orgueilleux. Donc c'était pour le maintenir dans l'humilité. Écoutez-moi, si c'est pour que je me connecte à sa présence, avoir une révélation et que Dieu me donne une maladie, je ne veux pas de révélation. Et si c'est vraiment la volonté de Dieu, ben n'allez pas au docteur. Parce que si c'est Dieu qui envoie la maladie, ne prenez surtout pas le risque en allant au médecin de lutter contre la volonté de Dieu. Il prie et Dieu lui répond à 3 reprises, « Ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. » Et moi, on m'a expliqué, tu sais, t'es déjà sauvé, c'est déjà bien. La grâce de Dieu, elle est là et le reste, eh bien, on va souffrir un temps et on va essayer de tenir bon. Moi, je crois à la dimension de la résurrection spirituelle où on peut passer à travers les murs. On peut passer à travers les difficultés. On peut les enjamber, on peut les écraser. Mais surtout, on ne devient pas des personnes qui sont dépendantes de la parole du diable. Mais nous devons apprendre à être des personnes qui sont dépendantes des paroles, alléluia, de Dieu. Et au bout de 3 fois, il capte le message. Et c'est pour ça qu'il dit, Seigneur, ben, je me réjouis dans cette faiblesse. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu réalises qu'il y a un niveau où tu ne peux plus aller par toi-même, ben tu vas puiser dans les ressources que Dieu a mis en toi. Et James l'a dit juste avant, Éphésiens chapitre 1, verset 3, soulignez-le, marquez-le, faites ce que vous voulez, mais apprenez-le par cœur, dans toutes les versions possibles. Que Dieu a déversé en nous toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Il n'est pas venu simplement avec une valise, mais il est venu justement avec tout ce que le royaume de Dieu peut avoir. Et dans le royaume de Dieu, il y a la santé. Dans le royaume de Dieu, il y a la destinée. Dans le royaume de Dieu, écoute bien. Je vous dis quelque chose, je parle plus de délivrance avec des chrétiens qu'avec des inconvertis, c'est pas normal. T'es dans le monde, t'es en prison, tu te convertis, t'es en sursis. Jésus va nous dire, celui qui est au bénéfice de la vérité et qui possède le Fils sera réellement, réellement, réellement libre. Et de quelle manière le diable continue justement de paralyser l'Église, c'est par l'ignorance. Mais la connaissance, elle ne tombe pas comme ça. Les problèmes, les difficultés sont toujours quel annonciateur de quelque chose que Dieu veut faire derrière. Paul est en prière, une gloire énorme est en train d'y être révélée. Satan voit ça de loin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut paralyser Paul. Faut pas qu'il diffuse le message.
Et le message, c'est le suivant. Il dit « Ma grâce te suffit ». En hébreu, on le traduit comme ça « Shana Shaddai ». Ça veut dire que ma grâce est puissante et elle est suffisante, Paul. Pour ça qu'il arrête de prier, parce qu'il a compris qu'en lui résidait plus qu'un vase d'huile, mais une usine à huile. Ou par lui-même, les capacités que Dieu lui donne, tu vas pouvoir, toi, Paul, parler à cette entité et lui demander de se barrer de ta vie. Je ne sais pas quelle est l'entité, quel est le blocage, quelle est cette fameuse malédiction, ce couloir de ténèbres par lequel le diable est encore en train d'essayer de paralyser ta vie. Mais il y a une source. Et elle est ici. C'est ce qu'il vous avait dit, David, au tout début. Elle est ici, la source. Elle peut se manifester dans la joie. Elle peut se manifester dans le silence. Mais elle peut se manifester aussi dans l'autorité. Vous n'êtes pas n'importe qui, Église. Et ça, à un moment donné, je l'ai compris. J'étais un jeune chrétien qui aimait Dieu de tout son cœur. Le pasteur, écoutez bien, ça aurait pu être l'escroc que vous voulez. Tellement que j'avais soif de Dieu, j'aurais écouté tout ce qu'il aurait dit et j'aurais fait tout ce qu'il m'aurait dit. Et à un moment donné, j'ai reçu une parole dans mon cœur où je devais prêcher l'Évangile. Et ça a été quelque chose qui a boosté ma foi énormément. Mais j'étais dans un contexte où il fallait faire les études, il fallait attendre comme ça, il fallait attendre le protocole, et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et à un moment donné, la mort a voulu m'attraper. Au début, on ne fait pas trop attention, puisqu'on est là, « Oui, Seigneur, tu vas bénir, Seigneur, tu vas faire quelque chose. » 15 jours d'hôpital, 1 mois d'hôpital, 2, 3. Mais au bout de 5-6 mois d'hôpital, quand vous avez perdu une trentaine de kilos, et que tous les pasteurs que vous connaissez sont venus prier pour vous, c'est pas la même. Et là, tu es dans ta révélation, toi. Tu dis, Seigneur, sors cette écharde de moi. Sors cette persécution. Et il semblerait que la réponse, c'est toujours la même. C'est toujours la même. Et je me rappellerai toute ma vie. J'étais dans mon lit d'hôpital. J'avais perdu 45 kilos. Et là, il y a un homme de Dieu, il vient vers moi. Et il me dit ça. Il me dit, Chris, est-ce que Dieu t'a appelé à prêcher? Je dis oui, Dieu m'a appelé à prêcher. Il dit, est-ce que tu as déjà prêché? Je dis non. Ben, il dit, Chris, tu ne peux pas mourir. Et cette parole est entrée dans mon cœur. Et j'ai compris à ce moment-là que ce que Dieu dit doit être plus vrai que ce que je ressens. Ce que Dieu dit doit être plus vrai que ce que j'entends ou ce que je vois. Seigneur, si tu ne l'as dit, eh bien, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais une chose, c'est que tu vas le faire. Et en fait, c'est ce que Paul a vécu. À un moment donné où il a compris que dans son incapacité, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit dans lequel réside une force et une puissance que personne ne peut arrêter. À partir de ce moment-là, alors je ne suis pas sorti du lit du jour au lendemain, hein. Il y a eu un processus, mais il y a quelque chose qui est venu s'installer en moi. Et j'ai refusé d'être dépendant aux paroles des situations. Commencer à chercher Dieu d'une manière différente. Je n'ai pas simplement voulu contempler ce buisson en flammes, mais j'ai voulu plonger ma vie dans ce buisson. Et la Bible dit que Dieu exerce ses jugements par le feu. La mort avait dit « Tu ne prêcheras pas ». Paul pose une question à la mort. Il dit « Mort, où es-tu ?» Pas de réponse. Mort, où es-tu? Où est ta force? Où est ton aiguillon? Pas de réponse. Paul va répondre à la place de la mort. Et il va dire, la mort, tu ne peux pas répondre parce que tu as été englouti dans la victoire. Alléluia. Au nom de Jésus. Et je veux vous rappeler quelque chose. Jésus n'a pas vaincu la mort pour lui-même. Il n'a pas vaincu Satan pour lui-même. Il l'avait déjà jeté du ciel. Il est venu l'accomplir en tant qu'homme, comme étant le concept divin pour les hommes sur la terre. Nous montrer comment ça fonctionne. Et il est venu vaincre Satan pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour ça que Paul, il ne parle pas d'une victoire, mais d'une double victoire. D'une double victoire. Une victoire qui concerne l'éternité, mais une victoire qui concerne aussi, amen, notre quotidien. Et quand tu prends conscience de ça, eh ben il faut que tu décides d'arrêter de combattre. Tu le laisses faire. Tu le laisses agir. Tout ce qui est devant toi, tu dis, Seigneur, maintenant tu l'as dit. Tu as dit que celui qui croit
il verra la gloire de Dieu. Que celui qui croit, il pourra être sauvé. Que celui qui croit, eh ben, il pourra chasser les démons. Que celui qui croit, justement, va faire manifester, écoutez bien, un sentiment dans le cœur de Dieu. C'est l'admiration. Quand cet homme, il vient vers Jésus et qu'il dit « Stop, Seigneur, t'as pas besoin de te déplacer, dis un mot et tout. » Et tout va s'arranger. Ça veut dire que sa foi, elle a reposé sur une parole du Seigneur. Et la Bible dit que Jésus s'est retourné vers ses contemporains de l'époque. Et il disait « Même en Israël ». Et quand Jésus parle d'Israël, il ne parle pas simplement de la localité, il parle de tout ce qui compose Israël. Tous ces hommes-là qui ont servi Dieu depuis des générations et des générations. Il dit « Je n'ai jamais vu un homme avec une foi comme ça ». Et la Bible dit que Jésus a regardé cet homme rempli d'admiration. Quand Jésus prend plaisir à une situation, écoute ce que je te dis, et je le sais qu'il va se passer des choses dans ta vie. À partir de là, tu ne seras plus jamais la même personne. Parce que c'est la connaissance qui va t'amener justement à matérialiser le plan de Dieu dans ta vie. Car je connais les projets. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps que tu connais tous ces versets? Sincèrement, dis la vérité. Je déclare dans le nom de Jésus toute langue qui s'élève en... Qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, je ne parle pas que tu par anticipation, concrètement dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il y a eu un moment donné, je dis « Seigneur, je veux faire un bilan avec moi-même parce que je prêche tout ce que tu dis, mais je ne suis pas en mesure de prêcher les choses que j'ai vécues. Pourquoi? Je ne vis rien. » J'explique comment j'ai rencontré le Seigneur. J'explique les trois expériences que j'ai faites à la réunion quand le pasteur il a prié pour moi. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et bien souvent on dit oui, mais il y a l'homme de Dieu là-bas, il y a les gens qui sont là-bas. Écoutez bien, il y avait des femmes, il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des apôtres. Ils étaient tous assemblés dans le même lieu, cherchant la même chose, la présence de Dieu. Et ce que j'ai aimé, c'est que la Bible dit qu'il s'est déposé sur eux une langue semblable à une langue de feu. Il n'y en avait pas des plus grandes langues sur la tête de l'un et des plus petites sur la tête des autres. Tout le monde avait reçu une parole particulière pour sa vie. Alléluia. Pour accomplir quelque chose de bien précis. Un des plus beaux versets de la Bible, c'est quand Dieu dit « Je te restituerai ». Parce que bien souvent, on n'y croit plus. Ou alors, on a la foi pour les autres, mais pour nous-mêmes. Dieu veut te rappeler quelque chose. Je vais te restituer les années que les sauterelles, que les problèmes, que les difficultés, mets ta montagne, mets la chenille que tu veux, ont dévoré. Ésaïe chapitre 45 nous dit ceci, que l'Éternel va venir faire remonter à la surface des richesses que les ténèbres avaient dissimulées. Est-ce que tu es fils? Oui. Est-ce que tu es appelé à vivre quelque chose de particulier sur la terre? Oui. Et la grâce de Dieu, amen, qui réside en toi, est suffisante pour pouvoir te sortir de cette difficulté. J'aime quand Jésus dit « Vous parlerez à la montagne ». Et il y a tout un enseignement derrière. Il est question de pouvoir aller identifier le type de montagne. Il dit ensuite « Vous libérerez votre foi ». Même si elle est grosse comme ça, ce n'est pas un problème. Et vous demanderez à la montagne de partir loin de chez vous. Il y a des problèmes qui sont là, qui nous bloquent. Si vous sauriez combien de fois j'ai vu en esprit des personnes pour qui je priais, il y avait comme un couloir, un grand couloir. Et à côté, il y avait comme un homme fort qui était là et qui bloquait ce couloir. Et eux, ils sont là, ils disent, je ne comprends pas ce qui m'arrive, il semblerait que ma vie est paralysée, tout ça. Et en priant, je brise maintenant et je chasse celui qui veut bloquer ta destinée. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Et à ce moment-là, ils y ont cru. Quelques mois après, ils trouvaient l'amour. Quelques années plus tard, ils avaient des enfants. Il semblerait que pendant des années, la vie était comme bloquée. Mais rappelez-vous d'une chose. Dieu nous a fait, écoutez bien, décisionnaires sur ce que nous allons vivre ici ou pas. Je le dis souvent, il y a des gens qui disent « Dieu fait ce qu'il veut quand il veut ».
S'il fait ce qu'il veut quand il veut, je t'impose pas les mains. J'équilibre. Dieu pourrait faire ce qu'il veut quand il veut. Mais le psaume 115 nous dit que les cieux sont à l'Éternel, mais que la terre, il l'a donnée aux êtres humains. Quand Satan dit à Jésus, tout est à moi parce que ça m'a été donné. Pourquoi ? Oui, parce que Adam et Ève lui ont tout donné. Mais au départ, Dieu n'avait pas donné la terre à Satan. La terre, Église, j'aimerais te le rappeler, c'est chez nous. Trop de gens disent, on sera chez nous dans le ciel, la terre est chez toi. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire ? Il est venu récupérer ceux qui avaient été perdus. Alléluia ! La clé de la puissance de Dieu. Et à la croix, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quand il dit, tout est accompli. En toi, je remets mon esprit. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à rajouter. La paix réside ici, la joie réside ici, la puissance réside ici. Écoute bien, la percée, la destinée réside ici. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma grâce te suffit. Et c'est ce que tu dois te rappeler. La grâce que Dieu a déposée en toi est suffisante. Et tu dois te révolter maintenant. Tu dois te mettre en colère, de dire non, Seigneur, les démons m'ont trop fait croire l'inverse. L'ignorance a trop voulu me paralyser. À partir d'aujourd'hui, je veux me révéler. Alléluia, je veux me révéler. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un veut se révéler aujourd'hui ? Prendre autorité sur sa propre vie. Je ne veux pas être dépendant des circonstances, mais c'est à moi d'influencer la circonstance en amenant justement la grâce de Dieu et de diffuser ce qu'on appelle l'Évangile. Alléluia. On se lève ensemble pour celles et ceux qui le peuvent. Et j'aimerais t'inviter à entrer en toi-même. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Est-ce que tu peux contempler ce buisson qui brûle devant toi et qui ne se consume pas ? Il y a des choses qui te tiennent dans ta marche. Mais la présence de Dieu, alléluia, nous rend capables de pouvoir enlever les sandales de nos pieds, de pouvoir nous décrocher de certains types de péchés, de pouvoir faire en sorte que les ténèbres qui étaient sur nous, eh bien, ils puissent décrocher. Rappelle-toi ça, la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Au nom de Jésus, tu es au bénéfice du sang de Jésus. Et si aujourd'hui tu poses ta foi sur ça, que tu te révèles avec l'autorité que Dieu t'a donnée, écoute bien, je défie, écoute-moi, toute forme de problème de résister devant la présence de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, identifie maintenant ton problème. Identifie-le au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui Saint-Esprit tu le fais, oui Saint-Esprit tu le fais. Il y a des personnes qui ont déjà reçu ce qu'ils devaient prendre, mais la journée n'est pas encore finie et bien souvent on se décourage parce qu'on dit l'autre elle l'a reçu là-bas elle. Lui, là-bas, ben, il est arrivé après tout le monde et puis il a reçu avant tout le monde. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que si tu repars avec ton problème, au nom de Jésus, merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Identifie le problème et on va le localiser ensemble et on va prier.